Église évangélique du Cameroun, paroisse de Bonaberry, à Bonamika, nous précisément, le culte dédié à l'ascension du Christ a été troublé et finalement interdit ce 25 mai 2017. J'étais dans le temple à l'hôtel, dans la situation du culte. Ce culte a été troublé par un groupe de personnes mécontentes d'une situation. Mais en même temps, ils ont menacé ceux qui étaient à l'intérieur de sortir. Selon les informations collectées sur les lieux, il s'agit d'une faction de cette congrégation religieuse qui s'oppose à la gestion du bureau directeur élu en Ngaoundéré. Ils ont entrepris de troubler tous les cultes célébrés par les pasteurs affectés par ce bureau. On avait dit qu'après le pasteur Batoumen, c'est un fils, ça va. Et depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu élection à l'église évangélique. Et que le conseil d'anciens a décidé que le pasteur Mboma ne doit plus prêcher. Informé de la situation, le sous-préfet de Douala 4e, accompagné des forces de l'ordre, ont fait irruption pour établir la paix. Notre attention a été attirée sur le fait qu'il y avait, n'est-ce pas, un groupe de fidèles qui voulait perturber le culte d'aujourd'hui. Pendant que le pasteur faisait son entrée dans le temple, eux, ils voulaient tenir le culte à l'extérieur de l'église. Et comme nous avons trouvé ça anormal, nous étions obligés de descendre pour amener la situation à la normale. Nous sommes tous au courant que la partie décédante a saisi les instances judiciaires, mais qu'on laisse la justice ne soit tranche cette affaire. Lorsque nous quittions les lieux, le temple était vide, Dieu s'était caché à l'extérieur, on pouvait observer une fausse paix. Affaire à suivre.